Bonjour. Demain, peut-être ? C'est le titre de la nouvelle que je vais vous proposer d'écouter dans quelques instants, juste après avoir évoqué brièvement son auteur. Anne Stodena, Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Écrivain contemporain, auteur d'une cinquantaine d'œuvres écrites, en lecture libre et gratuite, sur le service de publication Atramenta. Poésie, science-fiction, fantastique, humour, un large panel de découvertes que nous propose Anne Stodena dans ses divers écrits. Elle apprécie tout particulièrement les auteurs tels que Eric Maravellias, Tristan Egolf, Hubert Selvi Jr. et Richard Matheson, excusez du peu, ce dernier pour lequel j'ai eu l'honneur et l'avantage de pouvoir échanger quelques mots avec sa fille Ellie Marie Matheson, productrice et scénariste américaine, créatrice d'un forum de discussion en ligne pour tous les fans de son père. Mais là, je m'égare. Je vous propose aujourd'hui d'écouter Demain peut-être, une nouvelle d'Anne Stodena, publiée en 2010. Dans un monde de plus en plus aseptisé, celui que nous dessinons pour demain, une rencontre dans un parc fera-t-elle basculer le destin d'un homme ? Rencontre. Comment ai-je noué le dialogue avec cette vieille femme ? Je ne m'en souviens même pas. Mais cette rencontre a profondément bouleversé le sens que je donnais à ma vie. Depuis toujours, je ressentais, lorsque je travaillais, le besoin inexplicable de prendre l'air. Je profitais alors de ma pause déjeuner pour descendre au bas de la tour. Généralement, j'étais seul. Mes collègues préféraient quant à eux rester dans les bâtiments climatisés où tout était prévu pour répondre à nos besoins. Se rendre à l'extérieur n'était pas impossible, mais il n'était pas impensable de sortir. À quelques dizaines de mètres de la tour se trouvait un square où j'aimais me promener. Souvent, je m'asseyais quelques minutes sur un banc, juste le temps de sentir le vent glisser sur mon visage, puis je me relevais et retournais travailler. À l'heure où je m'y rendais, le square était généralement désert, mais lorsque le temps était clément, j'y croisais parfois quelques rares individus. C'est lors d'une de ces pauses que j'ai rencontré la vieille dame et qu'elle s'est adressée à moi. Au début, ses paroles semblaient n'être qu'un long monologue, comme le font si souvent tant de personnes âgées. Je n'y faisais guère attention. Mais peu à peu, je me suis mis à tendre l'oreille. Qui l'eût cru, hein? Il y a 40 ans de cela, il y avait tant de rapports scientifiques alarmants sur le climat, la fracture sociale, la pollution. Qui aurait pu croire que malgré tous ces signaux d'alerte, rien n'allait bouger? Elle s'interrompit un instant avant de reprendre sur le même ton. Qui aurait pensé que la société continuerait à aller dans le mur sans même tenter de freiner? Oh, lorsque je relis les journaux du début du XXIe siècle, les perspectives semblaient bien sombres, mais lorsque je regarde le monde aujourd'hui, c'est encore pire que tout ce que nous avions projeté à cette époque.
Quand la vieille femme s'aperçut que je l'écoutais, elle m'interpella plus directement. Mes propos vous semblent certainement bien moroses. Vous devez probablement penser que je suis une vieille pie nostalgique regrettant le temps de sa jeunesse. Je dus avoir un geste de recul, car la vieille femme s'interrompit un instant avant de poursuivre d'un ton plus véhément encore. Je sens déjà que vous allez me rétorquer les progrès de la médecine, le confort des appartements. Oui, c'est juste, sur le plan technique, on a su y faire. Mais sortez donc de cette ville et vous verrez dans quel état est notre monde. Une vraie poubelle. Plus question de nager dans les eaux bleues des lagons tropicaux. Avec la montée des eaux et le réchauffement climatique, ils ont disparu il y a près de 2 décennies. D'ailleurs, plus de voyages touristiques avec la pénurie d'or noir. Il n'y a plus d'avions depuis longtemps déjà. Les rares moyens de transport encore existants ont tout autre chose à convoyer que des gens en quête d'aventure. Elle me dévisageait maintenant avec insistance, tout en poursuivant son discours. Bref, si vous tenez malgré tout à apprécier la beauté d'un lagon, il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement devant l'écran mural de votre salon et d'y choisir votre destination. Les glaciers d'autrefois. Il était une fois le pôle Nord, Amazonie. Qu'elle était verte, ma forêt. Vous n'aurez que l'embarras du choix. En plus, vous n'aurez à souffrir ni des moustiques, ni du froid ou de la soif. Elle ménagea à nouveau une pause dans son monologue pour conclure avec emphase. Confortable, c'est le mot. C'est une vie confortable, morne, sans surprise ni état d'âme, aseptisée, mais ma foi, confortable. Gêné, je me levais alors m'empressant de quitter la vieille dame dont les propos m'avaient ébranlé. Je ressentais un certain trouble. Je me hâtais de rejoindre la tour et m'efforçais vainement d'oublier cet étrange monologue. Malgré moi, toute la journée durant, je repensais à ces paroles. Plusieurs fois durant la semaine, je me surpris à regarder par la fenêtre en direction du parc, cherchant des yeux cette vieille folle, avec au cœur une légère angoisse. Il me fallut quelques jours avant d'oser y retourner. Lorsqu'enfin j'osais revenir au parc, je fus soulagé de son absence. Pourtant, sans trop en comprendre les raisons, celle-ci se teintait d'une légère déception. Je repris l'habitude de m'asseoir sur le banc, cherchant sans me l'avouer à revoir la vieille femme. Un jour, elle revint et sans façon, elle s'installa à mes côtés reprenant son monologue là où il en était lorsque nous nous étions quittés la première fois. Elle me parlait de ce monde, tel qu'elle l'avait connu avant, et de ses déceptions à voir ce qu'il était devenu. Je ressentais encore un certain trouble, mais je ne pouvais m'empêcher de m'intéresser à ses paroles. Elle ne venait pas tous les jours, et je me surpris bientôt à la guetter. Progressivement, je pris plaisir à ces rencontres,
Je l'écoutais surtout. Il était rare que je l'interrompe. Je pressentais cependant qu'elle ne me disait pas tout. Ses propos étaient comme une porte qui ne demandait qu'à s'ouvrir. Peut-être n'attendait-elle de ma part qu'une sollicitation, un mot pour m'en dire davantage. Souvent, elle me parlait du travail. Encore aujourd'hui, je peux retranscrire ces paroles qui restent gravées en moi. Je me souviens parfaitement de sa voix tranchante lorsqu'elle évoquait cette question. La violence de son discours me perturbait et faisait naître en moi des doutes qui me hantaient. La plupart des gens travaillent comme des forcenés pour s'offrir du confort. Ensuite, ils rentrent chez eux, s'installent devant leur écran dans le salon, commandent leur plateau repas et choisissent leur programme préféré jusqu'à l'heure de se coucher. Ce mode de vie les détourne totalement de la réalité. Elle ménageait alors une pause avant de reprendre avec plus de virulence encore. Pas la peine de leur demander s'ils ont des projets. La seule chose à laquelle ils sont encore capables de penser, c'est ce qu'ils achèteront prochainement pour leur appartement. Non qu'ils aient un choix à faire, ils veulent tout simplement ce que le dernier spot publicitaire les a incités à consommer. Elle laissait alors échapper un sourire, avant de poursuivre sur un ton acerbe. « Ah, ça, la publicité! C'est sûrement là que les progrès ont été les plus impressionnants. Les années 2000 n'en étaient encore qu'au balbutiement. À cette époque, il fallait matraquer sans cesse le même message pour que ce dernier influence le comportement des consommateurs. Depuis que les sciences cognitives et les neurosciences ont été amenées à se pencher sur ces questions, il suffit que le message soit vu une fois pour qu'il induise un besoin convulsif d'achat. » Je me sentais heurté par ces propos qui me rendaient si mal à l'aise. Souvent, lors de nos rencontres, elle revenait sur ces thèmes, apportant chaque fois un éclairage nouveau sur cette société de consommation qui m'avait jusqu'alors semblé naturelle. Une autre vie possible? Peu à peu, j'osais l'interrompre pour obtenir des précisions sur ce monde d'avant qui m'intriguait tant. Mais il me fallut du temps pour oser formuler les véritables questions qui, au fil de nos rencontres, s'étaient insidieusement glissées en moi. Que faisait aujourd'hui cette vieille femme? Où vivait-elle? Jamais je ne l'avais croisée ailleurs que dans le square. Elle ne parlait que du passé. Ces interrogations se faisaient de plus en plus envahissantes. J'avais en effet le sentiment, lorsque je l'écoutais, qu'une autre vie était possible. Un jour, enfin, je me lançai. « Vous me parlez beaucoup du passé, mais aujourd'hui, où vivez-vous? Que faites-vous ?» Elle eut du mal à réprimer un ironique froncement de sourcils avant de me répondre. « Combien de fois êtes-vous passé ici sans même me remarquer, avant que je vous adresse la parole ?» Elle ménagea une longue pause, me jaugeant de son regard perçant avant de poursuivre. Je sentais que cette question était loin d'être anodine et que les réponses qu'elle m'apporterait allaient me secouer. « Nous sommes là, sous vos yeux. Vous ne nous voyez même pas.
Obsédé que vous êtes par votre travail et la vie confortable que vous offrent les tours. Pourtant, nous sommes quelques centaines à vivre autrement. J'eus l'impression qu'un voile obscur venait de se déchirer. Une autre vie était possible. Les perspectives qu'offrait cette découverte étaient telles que je me sentais totalement perdu. Je m'excusais auprès de la vieille femme avant de la quitter. J'avais besoin de temps pour digérer cette information qui bouleversait mes repères. Elle n'insista pas et repartit à petits pas. Je la suivis des yeux jusqu'à l'orée du parc avant de retourner vers la tour. Le soir, lorsque je réintégrais mon appartement, mille questions sans réponse se bousculaient dans mon esprit. Il me tardait de revoir la vieille femme pour qu'elle m'en dise davantage sur la vie qu'elle menait. Dès le lendemain, je retournais au square, guettant son arrivée. À partir de ce jour, mes sorties au parc se sont faites plus longues et plus nombreuses. J'attendais désormais ses rencontres avec impatience. Je l'interrogeais sur cette société dont elle faisait partie et dont j'ignorais tout. Elle me raconta. Chacune de nos rencontres était l'occasion de dévoiler ce qui différenciait son monde du mien. Elle m'expliqua la solidarité de la communauté, les espaces et les moments de convivialité, le temps laissé à chacun pour s'épanouir à travers les arts, la recherche, le sport ou tout autre loisir. Elle m'expliqua leur attention à préserver l'environnement, le partage du travail. J'étais fasciné par les images que ces paroles faisaient naître en moi. Nous nous rencontrions depuis plusieurs mois lorsqu'elle me proposa de la suivre. Il m'était impossible de partir à l'improviste. Je lui proposai de la retrouver le dimanche suivant. C'était un jour où je ne travaillais que le matin. Je pouvais exceptionnellement prendre un temps de repos supplémentaire sans trop de difficultés. La semaine qui s'écoula me sembla durer une éternité. Jamais je n'avais ressenti avec autant d'acuité la monotonie des jours. Lorsque le samedi soir arriva, je me sentais dans un état d'euphorie que je n'avais jamais connu. Cela m'empêcha de dormir une partie de la nuit. Escapade. J'arrivais bien en avance au square. Je scrutais le parc avec attention, guettant le moment de son arrivée. Lorsque l'heure du rendez-vous arriva, j'espérais presque qu'elle ne viendrait pas. Je n'avais jamais quitté les tours. Mes seules escapades jusqu'à ce jour étaient ces petits moments volés au square, le temps de ma pause déjeuner. Mon inquiétude grandissait de minute en minute quand enfin je la vis approcher. Trop tard pour reculer désormais, il me fallait la suivre. J'hésitais quelques secondes avant d'emboîter le pas de la vieille femme malgré les craintes qui me submergeaient. Après quelques minutes de marche, nous atteignîmes l'orée du parc. Un champ s'étendait sur quelques centaines de mètres, envahi d'herbes folles. Au loin, un bois. Je me retournai. Les tours, qui étaient au cœur de mon univers, me parurent moins imposantes. L'ambiance me semblait étrange. Pourtant, le paysage n'était guère différent de celui du parc. Je mis du temps à comprendre que ce changement d'atmosphère
s'expliquait par le fait que je n'entendais plus le ronronnement permanent des climatiseurs. Je me sentais écrasé par l'absence de ce bruit habituellement omniprésent. La vieille femme continuait d'avancer sans un mot, ignorant visiblement la sensation d'angoisse qui me broyait. Je peinais à la suivre, peu habitué à marcher sur de longues distances. Nous commencions à être loin de mon univers habituel. Nous marchions depuis une heure, ou peut-être un peu plus, quand j'aperçus quelques habitations semi-enterrées. Climatisation naturelle, m'informa la vieille femme en devançant ma question, tout en me faisant entrer dans l'une d'elles. Je découvris alors une vaste salle où plusieurs groupes de tous âges discutaient. Certains étaient assis autour de petites tables, un verre à la main, d'autres discutaient debout. Un fond musical que je ne parvenais à identifier achevait de donner au lieu une ambiance chaleureuse. Jamais je n'avais eu l'occasion jusqu'à présent de fréquenter un endroit tel que celui-ci. Dans les tours, les seuls espaces véritablement collectifs étaient les salles de sport où chacun faisait ses exercices quotidiens. Les échanges se limitait généralement aux quelques personnes qui s'entraînaient sur le tapis voisin. Les gens ne semblaient guère porter attention à mon arrivée. J'observais avec attention les lieux et les gens. Je ne pouvais m'empêcher de les dévisager. Ils ne paraissaient pas si différents. Au bout de quelques instants, un homme s'approcha de nous. Il engagea la conversation avec la vieille femme, tandis qu'elle réclamait deux verres. Je remarquai immédiatement qu'il l'appelait par son prénom, Rosetta. Je me rendis alors compte que jamais je n'avais pensé à le lui demander. D'ailleurs, c'est tout juste si je me souvenais du mien. Il était si rare d'être interpellé autrement que par un monsieur complètement anonyme. Ici, visiblement, tout le monde se connaissait. L'homme, lui, s'appelait Mario. Il ne tarda pas à s'adresser à moi. « Alors, pas trop dépaysé? C'est la première fois que vous venez, n'est-ce pas? Cela surprend un peu, hein? Moi, je me rappelle comme si c'était hier de mon arrivée ici. C'est pourtant il y a près de 20 ans. » C'était un homme affable, à la parole facile. Je l'écoutais avec intérêt, mais j'étais bien incapable de dire un mot tant j'avais l'impression d'être déconnecté de la réalité. Il se tourna vers Rosetta. Elle l'invita à me faire découvrir leur ville. La journée passa très vite et je me sentais dépassé par la masse d'informations qu'ils tenaient à me transmettre concernant leur mode de vie, leurs projets, leurs espoirs. Lorsque l'après-midi toucha à sa fin, il me raccompagna jusqu'au parc, m'invitant à revenir le voir. Il me proposa même de vivre chez lui durant quelques jours, si je le souhaitais. Il m'assura que je serais accueilli à bras ouverts par la communauté, si je le désirais, comme lui un jour quittait ma tour. Lorsque j'arrivai au square, il s'arrêta, me faisant de grands signes, puis il se retourna et partit. Choisir. Je m'empressais de réintégrer ma tour. Curieusement, j'éprouvais un intense soulagement lorsque je rentrais dans mon appartement.
J'avais retrouvé le doux ronronnement du climatiseur, le chuintement feutré de l'ascenseur. Sitôt entré, j'allumais mon mur vidéo, me laissant bercer par mon émission habituelle. Revenu dans mon environnement familier, je me sentais tranquillisé. Cette journée hors du commun m'avait épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement. Mais malgré ma fatigue, je ne parvenais pas à trouver le sommeil. Mes pensées se tournaient vers Mario, Rosetta et les quelques membres de la communauté que j'avais croisés. Je repensais en particulier au bar où Rosetta m'a conduit et où j'avais fait la connaissance de Mario. Il était le symbole même de cette convivialité que je ne parvenais pas à trouver ici, dans les tours. J'avais la sensation d'avoir effleuré, le temps de cette journée, quelque chose d'essentiel que je ne parvenais pourtant pas à définir aisément. Depuis cette journée, je n'ose plus me rendre au square. Le décalage entre leur mode de vie et le mien est tel que je ressens une profonde angoisse lorsque je repense à cette journée. Bien que je m'y sois rendu, leur monde me paraît irréel. Ma tranquillité d'esprit a disparu. J'aspire à vivre selon les valeurs de solidarité qui sont celles de leur communauté. Je rêve d'une société qui, comme la leur, offre à chacun un temps qui n'est pas aspiré par le travail, mais leur permet, au contraire, de se divertir, de se rencontrer, de créer, de se cultiver. Je ne peux m'empêcher de regarder chaque jour par ma fenêtre. Parfois, j'aperçois Mario ou Rosetta, ou d'autres encore dont j'ignore le nom. Je me demande s'ils m'attendent. Se rappellent-ils de moi? Imaginent-ils les doutes qui m'assaillent désormais chaque fois que j'aperçois l'un d'eux dans le parc de mon bureau? Avant, je ne me posais aucune question. J'allais travailler. Je rentrais. Je regardais l'écran vidéo mural. Je me couchais. Parfois, je rencontrais une fille pour quelques jours ou quelques mois. Désormais, mes pensées sont sans cesse tournées vers cet autre monde possible. Mais je ne parviens pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à franchir le pas, bien qu'un élan me pousse mentalement vers eux. Pourquoi mon désir d'y retourner me hante-t-il sans que je parvienne à me décider? Cela fait près de 2 ans maintenant, mais je ne parviens pas à oublier Mario et Rosetta. Leur mode de vie si différent du nôtre m'obsède. Pourquoi n'ai-je pas choisi de rester là-bas? Pourquoi ne pas y retourner? J'aimerais parfois en parler avec quelqu'un, raconter cette journée si particulière. Cet échange me donnerait peut-être le courage de me décider à y aller, ou bien il me permettrait d'oublier cet événement en relativisant son importance. Mais j'ai peur du regard que poserait sur moi la personne à qui je confierais ce trop lourd secret. Lorsque ces questions se font trop lancinantes, je m'absorbe dans les actes du quotidien. Ces petits gestes, faits sans même y penser, me rassurent. Je trouve mon réconfort dans ces tâches répétitives qui annihilent ma pensée. J'ai peur de quitter cette vie, où pourtant je m'enlise. Depuis quelques jours, Rosetta ne vient plus au square.
je me sens envahi d'une grande tristesse. Comment pourrais-je continuer à espérer si un jour Mario ne venait plus, lui non plus? Je sens que c'est maintenant qu'il faut me décider. Demain, il sera peut-être trop tard. Je n'aurai alors là-bas plus personne à qui me raccrocher. Que dois-je emmener si je pars? De quoi aurais-je besoin? Si je ne reviens plus ici, quels souvenirs glissaient dans mes bagages? Qu'est-ce qui me retient? Je me sens perdu. L'angoisse m'envahit. Ici? Là-bas? Je sais que je dois partir. Demain, peut-être. C'était « Demain peut-être », une nouvelle d'Anne Stodena, écrite en 2010 et publiée en 2011 sur Atramenta, site de publication d'œuvres écrites en lecture libre et gratuite. Cette nouvelle est complètement d'actualité, et l'auteur a parfaitement décrit ce monde présent ou futur dans lequel nous évoluons ou évoluerons. Le dilemme d'une place confortable et routinière, mais cependant perverse, de par sa nature coercitive dans une moutonisation de l'espèce au détriment de la personnalité, face à l'inconnu, même si celui-ci paraît plus avenant. J'y vais? J'y vais pas? J'y suis. Et vous? Qu'en pensez-vous? À bientôt.